La priorité 2017, le gros chantier que nous lançons, c'est le très haut débit, 135 millions d'euros d'investissement sur les 5 ans qui viennent pour amener la fibre optique dans un maximum de communes du département. Donc, la ville de Castelnaudary aujourd'hui se signale par donc un nouveau collège qu'on est en train de faire, un nouveau lycée, un nouvel hôpital. En fait, Socamil qui arrive, la réhabilitation de 240 logements et la construction de 600 logements. 400 millions d'euros d'investissement sur les 3 ans qui viennent. 400 millions d'euros d'investissement. Ce qui nous ouvre à peu près 4 ans de travaux sur la ville de Castelnaudary et qui crée à peu près 3000 emplois. Pour faire 400 millions d'euros de travaux, il faut 3000 emplois. Voilà. Donc les perspectives pour nous de 3-4 ans sont excellentes. Nous avons deux gros projets, le canal Mini et Via Tolosa, qui est via Garona, pardon, et qui articule la Haute-Garonne transversalement et verticalement, ce qui permettra aux familles, soit à pied, soit en cycliste, soit avec des chevaux, d'avoir une activité touristique importante, patrimoniale, culturelle, de paysage aussi, qui permet aussi un développement touristique écologique, qui permet aussi une volonté de créer des emplois in situ. C'est apporter à l'ensemble des Héroletais le très haut débit. Très haut débit, 93% des Héroletais seront desservis par la fibre optique et 7%, les habitats isolés notamment, par des technologies hertziennes. C'est un chantier de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros avec des aides de l'État, de l'Europe, de la région. On a déjà eu la notification. Et bien sûr, le délégataire et le département. Et ça va permettre aussi la création d'entre 2 et 3 000 emplois. L'agglomération, c'est de réaliser ces projets, c'est-à-dire qui sont sur un trépied, le développement économique et l'emploi, les valeurs culturelles, enfin le patrimoine, et 3, la solidarité. L'agglomération est très porteuse sur le logement puisque l'habitat est une des compétences de notre agglomération. Elle investit beaucoup, accompagne l'habitat. Je crois qu'on est la communauté d'agglomération qui investit le plus sur l'habitat et sur l'accompagnement structurant sur le territoire. Les départements français ont perdu la compétence générale, la compétence économie. Mais ils ont une compétence sociale essentiellement et de solidarité territoriale. Et sur ces deux éléments, nous avons des gros projets en Haute-Garonne, CREAD, qui permet aux demandeurs d'emploi de créer leur emploi et leur activité professionnelle avec l'aide du département, avec un tutorat, un accompagnement dans le dossier, un crédit à rembourser, mais un crédit à taux zéro, qui permet de crédibiliser une possibilité de création d'entreprise. Le deuxième point, c'est notre société publique locale qui permettra, en coopération avec les collectivités territoriales, notamment les communautés de communes et les PETR, d'organiser la vie économique dans le périurbain et le rural.